Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver, vous et notre invité, le pasteur Atoms. Bonjour encore, pasteur. Bonjour. Et bienvenue dans Prière Inspirée. Merci encore. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Moi aussi. Et je sais que ton épouse aussi a participé à l'émission Parole de femme. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est déjà passé ou pas, mais. Mais on était ensemble aussi à Hosanna. Donc Hosanna, On a passé, il y a des très bons moments ici. Gloire à Dieu, c'est super. Oui. Et déjà, depuis lundi, on est vraiment très bénis de tes partages, d'un prière inspirée dans cette semaine spéciale pour maintenir une vie de prière. C'est bien de prier, mais c'est bien de prier jusqu'à la fin, d'être persévérant dans la prière. Et aujourd'hui, on va parler des avantages de l'intercession. Oui. Les avantages de l'intercession. Et on a justement un témoignage d'une sœur qui écrit. Elle dit « Je voudrais témoigner de la puissance de la foi. Mon fils avait de sérieux problèmes avec le cannabis. » Et des vidéos que j'ai regardées sur MCI TV m'ont inspiré. C'est votre enfant, Satan ne doit pas avoir le dernier mot, sauvez-le, c'est ce qu'elle a entendu. Alors à Noël, je lui ai demandé de s'asseoir, j'ai ouvert la Bible, en fait elle dit je lui ai ordonné de s'asseoir, j'ai ouvert la Bible et je l'ai lu avec autorité, déclarant qu'il serait débarrassé du cannabis à tout jamais au nom de Jésus. Et je me suis agenouillé en priant, en langue, en hurlant, point d'exclamation. À Pâques, il est venu me rendre visite et il m'a dit que c'était fini grâce à ma prière. Puis nous avons lavé nos cœurs, nous avons passé l'éponge sur le passé. Amen. De retour à Paris, il a signé un CDI dans un hôtel 3 étoiles en réception de nuit. Alors gloire à Dieu, remercions Dieu et rendons grâce pour ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Et dites à tous ceux qui sont brisés par ce fléau qu'en priant, ça marche. Amen. Gloire à Dieu. Alors avec son témoignage reste anonyme, je ne dirai pas son prénom, mais on remercie vraiment le Seigneur pour la puissance de la foi et pour l'encouragement aussi que produit toutes les émissions de MCI TV. Nous sommes vraiment encouragés par le Seigneur et ce qu'il fait, ce qu'il accomplit à travers toutes ces émissions. Ça me rappelle un passage qu'on retrouve dans Psaume, au chapitre 106. Il est écrit à propos du peuple d'Israël. « Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant du métal fondu. Bon, » ici, c'était du cannabis. « Ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur. » Alors, bon, je n'avais pas fait l'association entre les bœufs qui mangent de l'herbe et le cannabis. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des œuvres redoutables sur la mer des joncs. Il parla de les détruire, sauf Moïse, son élu, qui se tint sur la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les exterminer. Et gloire à Dieu pour les exemples d'intercession qu'on retrouve dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on veut parler de ça. Alors, pasteur, quels sont les avantages de l'intercession? Oui, juste pour rebondir par là où vous avez fini, justement, il y a plein d'exemples d'intercession dans la Bible. Vous regarderez que tout ce que Dieu appelle ses amis intercédait. Il y a Abraham, il y a Samuel, Christ a intercédé. Allez, l'un des meilleurs moments de la vie, de la prière de Jésus que nous connaissons, c'est Christ en train de prier pour. Et d'ailleurs, le ministère actuel de Christ est celui de l'intercession à la droite du Père. Donc, intercéder, c'est... Alors, c'est la marque quand même des vrais disciples. Vous savez, Jésus, il est dit très bien quand tu nous exhortes à aimer nos ennemis, sur cette liste pour exprimer notre amour, cet amour inconditionnel, cet amour de la marque divine, il n'y a pas seulement aimer, faire du bien, il y a prier pour ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire être activement en prière en faveur de quelqu'un que l'on sait qui nous a fait du mal. Vous savez, généralement, on pense que l'intercession se mérite. L'intercession ne se mérite pas. On ne prie pas pour quelqu'un qui s'amende déjà, quelqu'un qui a déjà donné des signes de changement, alors on l'aide un peu dans la prière. Non, l'intercession ne se mérite pas. Personne ne doit mériter le fait que vous puissiez prier pour elle. Personne. Donc, personne n'est à un niveau où on se dit, lui au moins il mérite, il a commencé un peu à changer, je vais prier. Jésus nous demande de prier déjà pour ceux qui nous persécutent. Donc, au moment où tu as souffert, vous savez, l'un des meilleurs moments où Jésus a prié, l'un des moments les plus difficiles où Jésus a intercédé, c'était sur la croix, pas après la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est sur la croix que Jésus, il ne dit pas, attends que je finisse et puis je vais peut-être prier pour toi. Non. Là, sur la croix, il ne veut pas finir sa douleur. En plein milieu de sa douleur, il prie. Et nous, on a tendance à vouloir faire tout passer pour alors prier après. Or, l'intercession est une très, très, très bonne chose. Paul parle de l'intercession comme un avantage à accomplir l'œuvre de la mission. Ça, c'est le tout premier avantage. Le tout premier avantage de l'intercession, c'est que quand vous priez pour les autres, vous faites avancer le royaume de Dieu. Paul, qui était un géant dans la foi, demande que l'on prie pour lui. Il en fait mention plusieurs fois. Il dit,
Priez pour moi afin que j'annonce l'évangile. Priez pour moi afin que je fasse ici, cela. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, du 1er au 3e, au 13e, au 3e verset, dans Colossiens particulièrement, chapitre 4, verset 3 à 4. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Tu le fais déjà, Pierre. Qu'est-ce que ça va avoir avec nous qui sommes si loin de toi? Nous sous-estimons la force et la vitesse de la prière. Mon professeur de physique à l'école secondaire nous parlait de la différence entre la vitesse et la célérité. Il disait que la vitesse se calcule à la vitesse dans son déplacement est très visible. On sent qu'une chose quitte le point A vers le point B, mais la célérité est tellement vite, si je dois le dire comme ça, pour moi. La célérité est tellement rapide qu'on ne sait presque pas voir. Le temps où tu allumes l'interrupteur, la lumière s'allume, la lampe s'allume. Mais si je devais courir jusque là-bas, je devais prendre une certaine vitesse, vous allez voir ma progression. Mais la prière, c'est plus que la célérité. Une fois, une dame, un monsieur plutôt, a vérifié cela avec Jésus. Quand il rentre, il te pose la question. Il dit, à quel moment il a été guéri? Ils lui ont dit à quel moment il s'est souvenu que c'est exactement à ce moment-là que Jésus a touché l'interrupteur de la prière. Et ça s'est allumé, pouf, de l'autre côté. Nous sous-estimons le fait que nous pouvons prier ici à des milliers de distances pour des gens qu'on ne connaît pas nécessairement ou qui ne le méritent pas toujours. Et nous faisons avancer le royaume. Nous sous-estimons le fait que nous pouvons participer à l'œuvre de la mission avec notre pasteur, avec notre missionnaire qui part. On s'est dit, moi je ne sais rien faire. Non. Vous pouvez prier en ce moment-là pour lui et lui permettre de faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Et on voit aussi, j'aimerais partager quelque chose de très intéressant, l'intercession affecte aussi, nous affecte nous-mêmes. Il vous donne accès à une dimension qui vous fait profiter à vous aussi. J'explique ça. Quand vous priez pour quelqu'un, l'intercession que vous faites, la prière que vous priez pour cette personne, vous affecte prophétiquement. Ça signifie ceci. Lorsque vous allez chez Dieu, vous dites « Bon Seigneur », parce que prier veut dire faire une pétition, parler avec quelqu'un, insister avec elle, auprès de quelqu'un, au sujet de quelqu'un d'autre. Alors, Seigneur, je viens vraiment insister pour mon frère Jérémy. Tu sais qu'il a soif de toi et qu'il va devenir un grand marteau dans la francophonie, que tu vas frapper fort à travers lui. Et voilà, je prie pour toi. Et je te fais des demandes à Dieu pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des aspects de ta vie que Dieu aimera que l'on parle. Aussi profonde, aussi grande, aussi exceptionnelle que ta vie est, je vais entrer dans une révélation qui n'est pas mienne. C'est la teneur, la grandeur de ton appel qui me donne cet accès prophétique. Plus je prie, je vais avoir des visions que je ne pouvais pas avoir la nuit pendant que je dormais à cause de l'urgence et l'importance de ta mission. Tu te trouves quelque part dans le monde, en décalage horaire avec là où je suis, j'ai dormi, mais tu as besoin de prier à ce moment-là. Parce que je devais prier pour toi, je peux avoir une visitation angélique que je ne pouvais jamais avoir pour moi-même. La personne pour qui vous priez, la destinée en laquelle vous investissez pour prier, vous donne un droit spirituel de connaître certaines choses. Parce que l'intercesseur ne l'est pas sur demande, ce n'est pas juste « prier pour moi ». L'intercesseur l'est aussi par ordre divin, c'est-à-dire c'est Dieu qui dit « lève-toi, prie pour ». La personne elle-même ne t'a même pas demandé, mais Dieu te dit, toi, lève-toi, prie. Et c'est pourquoi c'était le rôle des prophètes. Vous voyez, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient des intercesseurs. Ils venaient voir David, ils disent, David, tu sais, je vais te dire l'anecdote. Tu sais, il y avait un homme, il raconte une histoire. David est fâché, il dit, non, je vais tuer ce monsieur-là, je vais le voir ici. Mais il dit, mais c'est de toi. Mais comment tu sais ça? Parce que de là où je suis, sans que je sois proche de toi, quand je prie pour toi, j'ai accès à toute ta vie. Des fois, on ne sait pas. On veut se poser la question, comment va fonctionner le don que j'ai? Les gens se disent, je veux beaucoup prier pour que le don spirituel que j'ai devienne actif. L'un des meilleurs moyens pour activer, pour permettre à votre don de devenir plus efficace, c'est de porter les autres. Parce que le don n'est pas pour nous. Moins vous avez des fardeaux pour les autres, moins le don fonctionne. Plus vous avez la passion, l'amour, le désir de voir les autres devenir meilleurs et de les présenter tout le temps dans la prière, l'avantage, votre don commence à devenir plus actif. Plus vous avez des cas, plus votre don devient plus exercé, en fait. Dans ma vie, j'ai dû connaître des expériences exceptionnelles
parce que j'ai juste porté à cœur d'autres personnes. J'ai passionnément désiré leur avenir. J'ai passionnément désiré que le Seigneur leur parle ou bien le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie. Je me souviendrai un jour, j'ai prié pour l'église et pour tout. Et pendant que je priais, dans ma prière, la nuit, j'ai rêvé. J'ai eu un songe où un homme de Dieu qui devait prêcher dans notre église, dans ce songe, je l'ai vu sur la chaire en train de prêcher. Et il racontait son enfance. Quand il avait 6 ans, comment il était très, très malade, ce que sa mère a fait, comment sa mère l'a aidé, comment sa mère a souffert grave pour lui. Il était très reconnaissant vis-à-vis de sa mère. Et il a parlé de son enfance longtemps. Je suis sorti de là, j'ai fini ma retraite, je suis sorti, j'étais très heureux d'avoir prié pour les autres. Et je viens, je vais voir le pasteur et je le trouve là. Ah, je dis, ah bonjour, bonjour pasteur, bonjour. Comment vous allez justement? J'ai rêvé de vous aujourd'hui. Ah bon? Oui, je ne savais même pas que j'allais vous voir. Et je lui raconte mon rêve. Il me regarde bizarrement. Je dis, ah bon? Tu sais ce que tu dis là, je ne l'ai jamais dit à personne. Tout ce que tu dis, moi j'ai dit, ça tombe bien parce que c'est vous qui me l'avez dit dans les sons. J'étais là en train de me dire, qu'est-ce qui m'a valu ça? Et ce qui rend le peuple de Dieu et les différents dons qu'il y a dans le corps de Christ peu efficaces, parce que les gens prient pour leurs dons et non pour être un don et non pour apporter un don. Ils veulent juste que leur don fonctionne pour eux. Le don fonctionne pour les autres. Et quand vous avez les autres dans le cœur, vous serez étonné de ce que le Saint-Esprit peut vous utiliser de n'importe quelle manière. Un frère un jour voulait à tout prix que je le dise si j'étais pasteur, prophète, apôtre ou docteur. Je lui ai dit, je pense que je suis serviteur de Dieu. C'est la meilleure façon de me définir. Je pense que plus j'ai une passion pour le peuple de Dieu, Dieu peut faire avec moi n'importe quoi. Et quand on prie pour les autres, on devient utile pour Dieu. Parce que nous faisons le ministère actuel du Christ. Ce n'est pas juste gagner les âmes, c'est prier pour les autres. Celui qui prie, j'aime bien dire cette phrase, celui qui prie pour les autres devient un bras droit de Dieu. C'est ça la place de Christ actuellement, à la droite du Père. Celui qui porte dans son cœur le fardeau des autres devient un ami de Dieu, un bras droit, comme on a l'expression de dire. Celui qui vient à ses côtés pour qu'il te parle de tout et de rien. Et nous, on veut que le Seigneur nous utilise, mais on veut qu'il nous utilise pour notre propre bonheur. On fait des choses sur les autres et on rentre dans des âges, des dimensions exceptionnelles. Or, Dieu, lui, veut atteindre des gens. Il veut que les gens soient là, disponibles. Quand on sait intercéder, prier pour les autres, on fait avancer le royaume et j'aime l'expression, on réduit la distance entre ciel et terre. C'est-à-dire, la volonté du ciel s'est faite sur la terre à travers des intercesseurs. Nous ne devons jamais sous-estimer notre prière. Et la prière pour les gens ne demande pas que vous connaissiez nécessairement leur nom. Des fois, j'ai pris un grand plaisir, une grande joie à apprendre à prier juste avec mes souvenirs. Il dit, Seigneur, je prie pour ce frère, oui, dont je ne me souviens plus le nom. Tu sais, celui que je rencontrais à tel endroit, je prie pour lui. Et ça va, Dieu sait. Il sait très bien de qui je parle. Et donc, on peut bien intercéder pour des gens dont on ne connaît ni le nom, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais quand on est passé en route, on avait une petite compassion. Ce qui nous freine de foi, on veut savoir le résultat. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Dieu ne nous permettra pas toujours de savoir ce qui s'est passé. Mais quelquefois, quand il veut nous édifier, il fera passer devant nous un témoignage. Et on se rend compte, ouf, vous savez, quand on prie ici et qu'on est là, nous deux, combien de gens nous ne voyons pas, mais avec qui et pour qui nous prions? Certains nous envoient des messages comme ça pour témoigner. Mais d'autres, c'est seulement au ciel qu'on va se voir, quoi. On va dire, ah, frère Jérémy, frère Adams, oh, vous m'avez beaucoup aidé dans ma foi. Ah, c'est là qu'on s'est dit, ah, donc c'était vous pour qui j'avais eu cette parole? On dit, oui, c'était exactement ça. Portez les autres dans la prière. C'est ce qui vous permet à vous-même de vous maintenir aussi dans la prière. Quelquefois, la prière, ce n'est pas juste une relation qu'on a avec Dieu, mais c'est aussi un devoir qu'on a devant Dieu. Et cette dimension du devoir est très, très importante. Amen. Merci, hein. Merci pour ces paroles. Amen, amen, amen. Ça me fait penser à un passage dans l'épître de Jacques, où l'apôtre Jacques nous encourage, hein, par rapport à la prière. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante ou encore fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous, de la même nature que vous, frères et sœurs.
Il pria avec instance, avec persévérance, pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie d'où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quelle grâce! Quelle grâce! Pouvoir prier pour les autres. Quel privilège! Et on peut remercier le Seigneur de ce privilège. Et on va prier aussi pour vous, que vous puissiez faire des expériences aussi dans l'intercession. Bon, tu as parlé de ces songes, par exemple. Mais, tu as parlé aussi, tu as mentionné une visitation angélique. Oui, des choses qui peuvent arriver, effectivement. Oui, oui. On croit que le royaume de Dieu est vaste. Oui. Pas encore bien connu comme on pourrait le connaître. Oui. On est toujours en train d'apprendre et on va prier par rapport à ça. Seigneur, on veut te remercier de la grâce de pouvoir être comme Moïse, comme Abraham, comme tu l'as été toi-même, Seigneur Jésus-Christ, portant parfois les fautes, parfois les péchés des gens, les situations, les vies, les combats, les difficultés des gens, se tenant à la brèche pour des personnes peut-être qui ne nous connaissent pas, des gens qui ne nous ont jamais dit bonjour, qui ne nous remercieront jamais. La grâce de pouvoir être pour un temps comme Christ sur la terre, un ambassadeur, un envoyé, un missionnaire, un serviteur de Dieu. Je veux te dire merci de cette grâce. Et parfois, Père, on l'oublie, cette grâce. Parfois, on prie tellement pour nous-mêmes. Comme a dit le pasteur Adams, on désire le don, on veut avoir ce don, on veut avoir la parole de connaissance, les prophéties, etc. Et on ne réalise pas que au fond, tout ça, c'est pour les autres, pour l'utilité commune. Oui. Père, merci. Tout d'abord, je veux te dire merci. Merci, merci Seigneur. Cette faveur que tu nous fais. Oui, oui. C'est un privilège incroyable pour nous d'être tes représentants. Mmh. Un privilège extraordinaire de voir le ciel s'ouvrir parce qu'on prie, parce qu'on parle, parce qu'on déclare. Amen. Merci pour les personnes qui, comme cette sœur nous a témoigné, sont libérées à cause d'une prière, amen. À cause d'une déclaration, amen. À cause d'une parole, à cause d'un temps, un temps mis à part, amen. Pour prier pour quelqu'un qui en a besoin, qui n'arrive pas à se défaire de sa situation. Amen. Et Père, c'est ce que nous voulons faire pour ces personnes. Ici, on a parlé du cannabis, mais tous les enfants et même certains adultes qui sont pris, qui sont addicts, qui sont esclaves de la drogue, esclaves de l'alcool, esclaves du cannabis, esclaves de la pornographie, toutes sortes d'esclavages. Là, nous prions pour Père, que soit puissamment délivré au nom de par Jésus, le Saint-Esprit, libéré maintenant Jésus. Même. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous le déclarons, nous proclamons Amen. Ta gloire. Nous déclarons ta puissance, ton au autorité. Le nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Aucun autre nom ne nous a été donné. Aucun autre nom nous a été donné parmi Alléluia. Les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, Alléluia. Par lequel nous pouvons être délivrés, par lequel nous pouvons être guéris, par lequel nous pouvons être restaurés, par lequel nous pouvons être transformés. Et c'est ton nom, Seigneur Jésus-Christ. C'est à ton nom que l'enfer tremble, que les démons plient, que les maladies sont brisées. À la mention de ton nom. Alléluia. Et c'est ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que je veux déclarer sur la vie de tous ces esclaves. Ils ne sont pas nés pour être esclaves. Ils ne sont pas nés pour vivre dans la peur, pour vivre dans le péché, pour demeurer dans des situations dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Ils sont nés pour être libres. Ils sont nés pour être une source de bénédiction. Ils sont nés pour être tes serviteurs et tes servantes. Et c'est ce que nous déclarons sur nous et sur nos enfants. Nous déclarons cela sur les enfants de ceux qui écoutent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la délivrance, la libération. Oh, merci de tous ces adolescents. Nous n'avons pas peur, Seigneur, mais nous les présentons. Nous te les présentons, ils sont à toi. Ils sont toi, pour Seigneur. Toi, ils te serviront, ils Alléluia. Parleront de toi, oui. ils feront en ton nom des prodiges, Alléluia. En ton nom Seigneur, ils iront pleins de passion, Alléluia. Ils seront amoureux de toi, c'est ce Alléluia. Que nous déclarons oui, sur Seigneur. Eux, ils sont pleins d'amour Jésus. Pour toi, ils Au sont ravivés de l'intérieur, ils sont fortifiés oui. dans leur être intérieur, ils Arrachez reçoivent une révélation nouvelle, Alléluia. Nos fils, nos filles, amis au nom de Jésus, ils sont le reflet de ta gloire, Alléluia. Ils sont visités par ton
en esprit. Ils sont un témoin, un témoignage au milieu de cette génération corrompue et perverse. Ils brillent dans cette génération. Ils brillent. Il y a un feu nouveau qui les saisit. Un feu nouveau les saisit dans leur être intérieur. Il y a une passion nouvelle. Il y a une foi. Il y a une soif nouvelle au nom de Jésus maintenant à partir d'aujourd'hui. Une soif pour la parole de Dieu. Une soif pour connaître. Une soif pour comprendre. Une soif pour prier. Une soif pour chercher. Les chercher les choses du royaume de Dieu. C'est ce que nous déclarons sur nos enfants. Ils sont bénis. Ils sont protégés. Ils sont mis à part. Ils sont couverts par le sang de l'agneau. Alléluia. Ils sont entourés d'une muraille de protection. Muraille angélique. Muraille divine. Alléluia. La main de Dieu. Ta main, Seigneur, est sur eux. Ta main est sur eux. Oh, tu les couvres, Seigneur. Tu les portes par tes ailes. Ils sont portés. Ils sont portés. Portés par ta puissance. Portés par ta force. Nous ne craignons pas pour eux. Et nous déclarons au royaume des ténèbres. Nous déclarons à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur eux. Nos enfants sont bénis. Ils sont favorisés, sanctifiés. Le sang de Jésus-Christ les couvre entièrement. Le sang de Jésus les purifie de tout péché. Et ils sont relevés. Alors que nous prions pour eux, ils sont guéris. Alors que nous prions pour eux, ils sont libérés. Alors que nous prions pour eux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en langue, dans leur douche, dans leur chambre, dans leur lit. Ils se mettent à parler en langue, dans leur bus, dans leur métro. Ils se mettent à parler en langue, dans leur école. Alléluia, leur vie est transformée. Leur vie est changée. À partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. Mais l'image de Christ en eux, l'image de Christ en eux les transforme. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui arrive. Ah oui, nous les arrachons de la main de l'ennemi. Nos frères et sœurs, nos voisins et voisines, nous les arrachons de la main de l'ennemi. C'est perdu que nous voyons à gauche et à droite. Nous les arrachons de la main des ennemis. Ces collègues à qui nous ne pouvons pas dire certaines choses à cause des strictes règles dans le milieu professionnel qui viennent tout le jour, mais à qui nous ne pouvons pas parler de Jésus parce que cela n'est pas permis. Oui. Mais nous les arrachons de main de l'ennemi. Satan, ils ne t'appartiennent pas. Dieu le réclame. Dieu le réclame. Père, nous prions. Nous prions pour ces amis qui ne peuvent pas nous partager leur fardeau sous prétexte que nous n'avons pas les mêmes religions, sous prétexte que le milieu professionnel ne les permet pas. Nous prions pour eux avant qu'ils nous demandent de le faire. Pour ce voisin que nous voyons, quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas le dire. Nous prions, Seigneur. Nous réclamons, ô toi, Père, de toutes les familles du monde. Ô toi, Père, qui entend nos prières, visite leur vie. Rencontre-le là où ils ont le plus besoin de toi. Tu sais calculer à quel moment, selon quel angle, tu peux le rencontrer, les changer, les transformer. Père, nous prions. Nous prions pour l'Église. Nous prions pour les missionnaires dans des fronts, dans des endroits de guerre, des lieux où on décapite les gens. Donne-leur d'annoncer l'Évangile avec puissance, avec ardeur. Ô Père, nous prions que l'Église soit forte. Élève l'Église, la francophonie. Nous prions pour le réveil dans la francophonie. Père, nous prions pour ces serviteurs intègres que le diable a déjà mis sur sa ligne de mire. Ces serviteurs intègres qui portent le nom de Jésus, que Satan se prépare à ravager, à détruire. Nous déclarons, ils ne tomberont point. Nous déclarons, ils ne seront pas atteints parce que ton sang le couvre et ta bonté est sur eux. Oui, Père, entends nos prières. Ah, Kali, no, Bala. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, je prie que tu nous donnes ton cœur. Parfois, nous regardons les gens, nous les jugeons. Nous manquons d'amour cruellement et nous aspirons à cet amour que tu as déposé pour nous. Seigneur, que cet amour soit manifesté. Nous ne voulons pas juger les hommes. Nous ne voulons pas juger ce que tu ne juges pas. Nous ne voulons pas mépriser ce que tu n'as pas méprisé. Nous voulons aimer comme tu aimes. Aide-nous à aimer. Oui, les personnes, Seigneur, qui ont certaines religions, les personnes qui ont certaines façons de faire, aide-nous à aimer. Aide-nous à les aimer. Toi. Aide-nous à les bénir. Aide-nous à aimer ceux qui sont différents. Aide-nous à aimer ce que les gens, Seigneur, détestent, ce que les gens méprisent. Que l'Église ne les méprise pas. Sans qu'on
conditions. Que l'Église les aime. Seigneur, merci. Fais déborder ton amour de nous. Fais déborder ton amour de nous. Viens nous transformer par ton amour. Baptise-nous encore dans ton amour. Sans condition. Baptise-nous encore dans cet amour, sans condition. Seigneur. Oh, Jésus. Inconditionnel amour. Donne-nous cette passion. L'amour inconditionnel. Alléluia. Shada la bo. Isso papa frito. Shada la la bo. Dalla mano lo sotto ye. Oh la bash. Oh alléluia. Un amour inconditionnel. Donne-nous de ne pas attendre que les gens méritent avant qu'ils reçoivent notre prière. Tu pries pour nous gracieusement. Tu pries pour nous gratuitement. Tu pries pour nous. Surtout, la Bible dit, lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Seigneur, tu meurs, tu es mort pour nous avant même que nous puissions remplir quelconque condition. Donne-nous d'attendre que personne ne remplisse des conditions. Que la seule condition pour nous soit l'amour que tu nous as donné. Que nous puissions prier pour des gens même qui ne les méritent pas, surtout pour ceux qui ne le méritent pas, car l'intercession ne se mérite pas. C'est le fruit du fardeau, de l'amour, de la passion, de l'amour de Dieu. Anime-nous de ce cœur. Fais-nous pleurer pour ce qui te fait pleurer. Inquiète-nous pour ce qui t'inquiète. Fais fléchir nos genoux pour ce que tu regardes. Oh Dieu, je t'en prie. Donne-nous ce cœur. Donne-nous ce cœur. Oui. Oui, Seigneur, fais de nous des hommes. Femme de prière, cette génération égoïste, pervertie, où beaucoup cherchent leur intérêt. Nous ne voulons pas chercher notre intérêt, nous voulons chercher tes intérêts, les intérêts de ton royaume. C'est pourquoi nous voulons nous mettre à part, être sensible à la voix du bon berger, être sensible à la voix du Saint-Esprit, qui exprime ta volonté, qui exprime tes désirs, et alors que ta parole déclare que tu intercèdes pour nous. En ce moment même, tu pries pour nous. Le Saint-Esprit, parfois, vient nous amener à prier avec toi, Seigneur Jésus-Christ, à s'unir avec toi pour prier pour quelqu'un. Nous voulons ouvrir nos cœurs, devenir de plus en plus tendres, pour que lorsque le Saint-Esprit nous pousse à prier, parce qu'il a entendu de toi, Seigneur, qu'il fallait prier pour quelqu'un, nous voulons obéir. Apprends-nous à intercéder. Apprends-nous à vivre cette vie d'intercession. Cette vie dépourvue de notre propre volonté, de nos propres intérêts. Cette vie de serviteur de Christ. Alléluia. Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Comment nous bénissons vos vies, frères et sœurs. Nous déclarons la vie de Dieu sur vous, sur vos enfants. Amen. Bénissez vos enfants. Vraiment, ne les terrorisez pas. Cette parole, ne les terrorisez pas. Mettez pas de pression sur eux inutile. Mais faites confiance au Seigneur et bénissez-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1000 euros ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.